Oreya formé au chef-lieu de la commune Gihanga par la fondation Iragi a été certifié ce samedi 14 août 2021 pour avoir suivi et réussi les formations en couture, menuiserie, boulangerie et chaussures. Le fondateur de la fondation Iragi, honorable Olivier Suguru, dit que cette fondation a été créée dans le souci de pouvoir léguer à la jeunesse d'aujourd'hui et de demain les activités génératrices de revenus qui pourront améliorer leur bien-être. Comme le nom l'indique, Iragi en Kirundi, et ça veut dire l'héritage. Alors nous avons créé cette fondation dans l'optique de léguer quelque chose à la jeunesse future, pour qu'eux aussi ils puissent faire quelque chose qui va développer leur bien-être et surtout pour la vie de demain. Donc c'est ça le but, mais aussi notre objectif premier, c'est de créer cet environnement, de faire en sorte que notre jeunesse qui a des talents, détecter les talents, mais surtout pour les jeunes qui n'ont pas pu terminer l'école, qu'eux aussi ils puissent avoir la chance d'apprendre des métiers, lesquels métiers vont pousser à se développer et à leur bien-être, et surtout à aider leur famille et de surcroît aider et participer, contribuer au développement du pays. Nous sommes très encouragés de continuer. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous venons de donner des certificats à 180 lauréats. Les 180 étaient repartis dans plusieurs départements. Il y a le métier de boulangerie, il y a le métier de fabriquer les bancs et de la menuiserie, il y a le métier de couture des habits, des uniformes, des sacs pour les étudiants. Et aussi, il y a un département qui apprend nos jeunes à fabriquer des chaussures et sandales. Alors, à voir comment notre jeunesse qu'on est tenté d'encadrer se développe. On est très satisfait, surtout que ce qu'ils ont produit, on leur apprend aussi à gérer, à travailler ensemble en association, en coopérative. Et vous l'avez entendu dans l'évaluation, dans les résultats déjà atteints. La boulangerie, par exemple, ils ont déjà arrivé à faire un chiffre d'affaires de plus de 8 millions. Au côté de l'administration communale de Gihanga, Léopold Ndayisaba, administrateur de cette commune, trouve que cette initiative de la fondation Iragi est d'une grande importance dans la population qui lui est confiée. Et nous saluons déjà cette initiative d'implanter ces activités dans notre commune. Et parce que, comme nous l'avons déjà remarqué, pas mal de lauréats ont reçu des formations en rapport avec la couture, en rapport avec la menuiserie, en rapport avec la fabrication des chaussures, la fabrication des pains. Et c'est vraiment chose louable, comme même les lauréats l'ont déjà témoigné. Nous lançons un appel vibrant à ces lauréats, à ceux qui ont appris ces différents métiers, de ne pas croiser les bras, de perpétuer ces activités afin de se regrouper en coopérative, parce qu'en se regroupant en coopérative, ils vont mettre ensemble les différents les moyens et il y aura même possibilité de chercher un marché d'écoulement de leurs produits. Les 180 lauréats ont réalisé ensemble, dans les différentes filières de formation, une fois que ces objets vendus, cette somme va constituer un capital social de démarrage au sein de la coopérative récemment initiée.